In the week following the attacks in Brussels that killed at least 35 people, the city has faced rising tension. On Sunday, violence interrupted the memorial space at Place de la Bourse, where riot police dealt with 200 men who invaded the square shouting nationalist and anti-immigrant slogans. Military and police presence has increased across the city, especially in Molenbeek, the now notorious commune where terrorist suspect Salah Abdeslam was found just days before the attack. I went to speak to people in Molenbeek to see how they were responding to their neighbourhood becoming the centre of worldwide attention. He thinks it's a bad idea. Okay. When we've come through Molenbeek, there's been a lot of sensitivity around having a camera. Can you explain to me why it is that people are so against having their images filmed? Quatre premiers mois, enfin ça a été plus ou moins soutenable. Et je pense que l'élément qui a été déclencheur, c'est que les journalistes en fait ont été sonnés chez la famille de ce fameux djihadiste. Et un des fils a demandé à plus de reprises aux journalistes de revenir plus tard parce que les parents étaient en train de digérer, on va dire, la nouvelle. Sauf qu'ils ont continué, donc du coup, un des fils s'est énervé et en est venu aux mains avec un des journalistes. Et je pense que ça a vraiment été ce moment-là où les jeunes ont compris que ben voilà, là c'est trop quoi, c'est tout stop. Can you tell me how it is being a young person in Molenbeek today? Plein de fois, il y a plein de jeunes qui sont arrêtés, qui ont fait des interviews, qui ont essayé de redorer l'image de Molenbeek. On a fait des minutes silencieuses là parce que mesdames, ça sert à rien. Après, quand on voit les journaux sur BFM ou bien sur LCI, on voit comment ils parlent de Molenbeek, c'est comme s'ils parlaient d'une base de djihadistes presque. Alors que rien à voir, on les voit pas dans la rue, nous. Hein. On les voit pas dans la rue, ces gens-là. C'est des gens comme vous, comme nous, qu'on voit dans la rue. Hein. Najim Lachraoui est bien le deuxième kamikaze de Zaventem. C'est ce que le parquet a confirmé. I was told about Sarah Tureen, a local councillor who works with the youth in Molenbeek. She agreed to meet with me at one of the project houses in the commune. Oui, c'est Sarah. Bonjour. Elle est de toute confiance. Why do you think it's been the case that this has happened in Belgium, in Brussels, and specifically in Molenbeek? La commune a toujours eu une mauvaise réputation, même avant les attaques. Dans des quartiers, il y a toute une série de difficultés. La précarité, les questions socio-économiques, le chômage, les parcours scolaires, la stigmatisation. On a l'impression qu'ils sont devenus des citoyens de seconde zone. Ils n'ont pas confiance dans l'école, ils n'ont pas confiance dans la police, ils n'ont pas confiance dans les médias, mais ils ont l'impression que les médias n'ont pas confiance en eux, que l'école n'a pas confiance en eux, que la société n'a pas confiance en eux. Do you think that there are problems facing the youth of Molenbeek that are associated with their identity as second generation immigrants or as Muslims? La question du fait d'être musulman, c'est pas une question spirituelle, c'est une question vraiment identitaire. Ils disent je suis musulman. C'est un peu en réponse à toutes les vagues d'islamophobie, hein, où il y a ce besoin d'exprimer très fort le fait que je suis musulman, même si ces jeunes ne sont pas nécessairement des pratiquants. Comme les recruteurs jouent sur la terminologie religieuse, en touchant le fait qu'ils ne se sentent pas bien, ils arrivent à faire en sorte que certains alors se laissent convaincre. Sarah told me about the BKNT rap project in Molenbeek. I went to meet some of the young artists in their studio. Donc on formait des petits jeunes à écrire, comme vous pouvez le voir. Une fois que j'ai fini leur texte, on faisait des freestyle caméra. Fatigué de tout ce que je vois au quotidien, des gens bien frangins, s'il y en a, dis-moi combien. What would you like to say to people who have seen the news and are looking at Molenbeek right now? Ceux qui veulent vraiment voir la vraie image, qui viennent nous voir, qui viennent discuter avec nous, qui viennent dialoguer avec nous pour comprendre, pour vraiment voir ce qu'il y a à voir. And who do you look up to in the community? Nos parents. S'ils ont fui leur pays, c'est pas pour détruire celui-ci, c'est pour nous éduquer, pour gagner leur vie, pour nous donner à manger, pour qu'on puisse manger, pour qu'on grandisse, pour l'éducation, pour construire à notre tour ce pays, comme eux l'ont fait. How do you feel in the schools here? Do you feel accepted? Comme moi, j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport au fait que je porte un hijab, qu'on me demande de le retirer à l'entrée de l'école. Sans ça, je me sens pas très bien, en fait. Pourquoi on ne pourrait pas le montrer? Pourquoi les religions sont-elles en guerre comme ça? Many young people in Molenbeek are still trying to come to terms with what's going on around them. Anger and frustration threatens to further isolate their neighbourhood from the rest of Europe's capital. While I was in Brussels, angry far-right protesters took to Place de la Bourse and had to be dispersed by armed police and water cannons. We're in an orlog! We're in a state of war. In war, you know, and at the police, they stand up against us.
français? Néerlandais. Pas de problème? Hein? Oui. Ouais. Il y a un type qui vient, rien, ils regardent, ils font les types qui provoquent et tout. Moi j'ai pas peur d'eux, hein. J'ai pas peur d'eux, mais c'est triste, tu vois. Ils font les Belges, ils font ouais, nous on défend la Belgique. Pour moi c'est pas ça la Belgique. Ils ont commencé à humilier tout le monde, ils criaient, des criaient hooligans, je sais pas quoi. Puis en revenant, ils ont foutu, ils ont jeté des trucs sur la police, ils ont mis toutes les poubelles par terre, ils pissaient devant les gens. À la base, c'était une manifestation contre la violence. Hein. After a few hours, the protesters were cleared from the area and Belgians were able to continue to mourn the innocent lives lost in the attack. Mais vivre en Belgique aussi, m'a touché la même chose comme les Belges aussi. Alors, c'est ça. Mais je ne veux pas dire plus parce que je veux pleurer, parce que j'ai perdu mes enfants de la gym aussi. In 2014, three brothers, Jaffa, Amr and Abdullah Degayas travelled with their friend Ibrahim Kamara to join an Al-Qaeda affiliated group.